Voici le village Ngalaba, d'environ 2000 habitants situé à quelques kilomètres du site pétrolier, dont 4 cuves de pétrole brut ont volé en éclats ce 5 novembre 2021, qui accueille la délégation conduite par l'ancien Premier ministre Emmanuel Nadjingar, venu assister la population en produits alimentaires et hygiéniques. Ce sont des sacs de farine, cartons d'eau de Javel, sacs de lait en poudre et masques qui sont remis des mains d'Emmanuel Nadjingar pour le compte des villages touchés par les effets de l'incendie des cuves du site pétrolier d'Engalava. Nous sommes venus vers les parents ici pour faire un geste symbolique. Ce que nous offrons ici ne peut pas répondre aux besoins de toute la population. Nous faisons un geste symbolique, nous pensons significatif. Le chef des cantons de Miandoum et le chef de village d'Engalava ont vivement remercié Emmanuel Nadjingar pour ce geste humanitaire. Le préfet du département de la Nia, Youssouf Omar Bar, apprécie cet élan de solidarité à sa juste valeur. Il rassure les habitants que les techniciens dépêchés par les différents ministères travaillent d'arrache-pied pour évaluer les dégâts.